Une actualité suscitant une profonde émotion émane de la ville des Landes. Suite à la blessure par balle du chanteur Kendji Girac, survenue sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse, la maire de la commune, Hélène Larrezet, a exprimé ses vœux de prompt rétablissement ce lundi 22 avril. Cette déclaration a été transmise tant par les représentants municipaux que par les fervents admirateurs de l'artiste, dont je fais partie. La nouvelle est quelque peu troublante. Cependant, la lueur d'espoir réside dans le fait que le pronostic vital ne soit plus en jeu, a déclaré l'élu lors de son intervention sur BFM TV. Le chanteur renommé a été victime d'une blessure par balle au niveau du thorax ce lundi matin dans les Landes, dans des circonstances encore nébuleuses, avant d'être admis à l'hôpital. Plus tard dans la soirée, Kendji Girac a été libéré de la salle d'opération. Hélène Larrezet a continué en déclarant « J'ai été informé de la situation de bon matin aujourd'hui. Il est venu à titre privé, ce sont des individus qui visitent régulièrement nos côtes. » Le parquet a spécifié dans un communiqué que l'aire d'accueil de gens du voyage, abritant 80 caravanes, appartenait toutes à des membres de la famille ou à des proches du chanteur. Selon les dires de la mère, cette aire ne présentait aucun problème particulier. Alors que le chanteur a mentionné un accident domestique avant son admission à l'hôpital, le parquet a initié une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Cette enquête a été confiée à la brigade des recherches de Parentis en Bornée à la section de recherche de Pau.